le nombre de cas attestés et le nombre de cas détectés, de cas nouveaux, augmente. Ça a d'ailleurs posé un problème d'organisation, je m'en excuse auprès des gens qui sont venus se faire tester, parce que au mois d'août, de doubler ou de tripler le nombre de gens à tester a entraîné des problèmes d'organisation, parce qu'il y a des personnels manquants. Je suis désolé que les attentes pour pouvoir être prélevées étaient si longues. Ensuite, quand le délai de rendu des résultats en moyenne est d'une dizaine d'heures pour les gens qui viennent de l'extérieur et de un peu moins de 3 heures pour les urgences. Donc le délai, une fois qu'on a réussi à être prélevé, est raisonnable. Écoutez bien ce qui suit, car le professeur Raoult, de par sa grande qualité professionnelle et sa prudence face aux censures en tout genre, nous délivre l'air de rien, un fait stupéfiant. La manière générale dont sont pratiqués les tests en France et dans la plupart des pays est scientifiquement prouvée. Il y a une réalité de vouloir augmenter le nombre de cas positifs. J'en déduis que les gouvernements ont besoin de cas pour continuer leur propagande de la peur. Ces cas positifs menteurs sont devenus faux positifs pour le politiquement correct, alors qu'ils sont bien négatifs. C'est un constat affligeant qui n'est pas facile à dénoncer. Avec tout le respect que je dois au professeur Raoult, je vois bien qu'il fait de son mieux pour nous alerter, et je le remercie très sincèrement. C'est pas la peine de faire des faux positifs. Il serait intéressant qu'il y ait une harmonisation là, des résultats, parce qu'il y a des résultats qu'on voit rendre qui sont juste impossibles. C'est-à-dire, on sait qu'à cette dilution-là, il n'y a plus de séquence virale. Donc, c'est des erreurs. Hein. Il faut mettre ça en place. On sent que c'est un problème d'erreur qui est à régler. Pour faire suite à ma dernière vidéo avec le professeur Raoult qui a explosé tous mes rapports de performance puisqu'elle a atteint quasiment 500 000 vues en moins de 48 heures, eh bien elle était dérangeante quand j'avançais le fait que les tests PCR nasaux étaient très dangereux. Ça pouvait endommager cette barrière que nous avons qui protège sous le cerveau. Et j'ai eu tout un tas de nombre de contestations avec des arguments aussi faux et aussi improbables les uns que les autres. Je ne vais pas vous en faire la liste car la vidéo serait trop longue. Un qui m'avait le plus frappé, c'était de dire qu'il y avait un os qui protégeait à cet endroit-là. Et ben, quand on voit un crâne d'être humain, à l'intérieur, il n'y a absolument pas d'os à cet endroit-là. Quel que soit votre avis sur la question, c'est puisque ce virus est censé pouvoir se communiquer avec la salive, avec les fameuses gouttelettes d'eau qui flotteraient dans l'air, quel intérêt d'aller chercher ça au fond du nez? C'est pas la peine de répondre à la question puisque il faut juste faire preuve de bon sens. Maintenant, il y a des tests salivaires qui existent et qui permettent de pouvoir tester le virus. Donc, ce qui se passe à l'intérieur avec cette tige qui, la plupart du temps, donne des migraines, elle a pour but, notamment quand c'est mal fait, et c'est souvent le cas, à endommager donc cette barrière et donc à permettre de pouvoir infecter plus facilement le cerveau ou autre partie dans l'organisme. À propos des tests maintenant, comme le dit le professeur Raoult, il y a des faux positifs. Et il y a tellement de faux positifs qu'en fait, il doit y avoir quasiment que des faux positifs. Déjà, le test, au départ, quand il a été créé, je vous laisse faire votre recherche à ce niveau-là, il n'était pas destiné comme on l'utilise à l'heure actuelle. Ce qui se passe, c'est que du coup, on va tester des choses que la plupart des gens ont dans le corps. Bien souvent, c'est des restes de grippe ou de vaccin ou de tout un tas d'autres choses. Et ces tests sont donc, il y avait même eu des envois de fragments d'autres choses, des bouts de pastèque, voilà, différentes choses qui n'avaient rien à voir avec les êtres humains. Et on l'avait trouvé aussi dans ces tests, effectivement, qu'il y avait aussi le virus. La deuxième facette du problème avec les tests, c'est que vous croyez donc en vous faisant tester que vous allez vous dégager, vous libérer en quelque sorte hein, du poids de la contagion, de se dire comme je suis pas positif, je vais pouvoir après me rapprocher des personnes que j'aime sans risquer de les rendre contagieux. Eh bien, vous avez en partie aussi faux, puisque les tests, donc à chaque fois que vous faites tester, ça fait un cas supplémentaire.
qu'il soit faux positif ou pas. Et de plus, si vous faites tester 3 fois, par exemple, eh bien, vous allez alimenter les pourcentages de 3 fois. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas compter le nombre de personnes, mais bien le nombre de tests et le nombre de cas positifs. En fait, en vous faisant tester, aujourd'hui, vous participez, vous êtes un complice dans cette propagande de la peur. Oui, vous êtes complice, car si vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas besoin de vous faire tester, il y a tout un tas d'aspects aussi où on vous demande d'être testé et c'est absolument illégal. Personne aujourd'hui, par rapport à la loi, ne vous oblige à vous faire tester. Et encore moins à vous faire injecter quoi que ce soit dans le corps. À côté de ça, le nombre de décès chez nous, d'abord, n'augmente pas sur cette période qu'on estime avoir commencé aux alentours du 15 juin, qu'on appelle le deuxième acte. Il y a eu 2953 personnes qui ont été positives, dont 9 sont mortes, ici ou ailleurs, avec 0,3% de mortalité, ce qui fait une mortalité très faible. Et parmi les gens qui ont été traités par hydroxychloroquine, azithromycine, il y a eu un mort. En plus de 3 jours, il y a eu un mort, ce qui fait 0,06%. Et c'est ce que traduit aussi les statistiques nationales, où la mortalité n'a pas varié d'une manière significative depuis. Au contraire, elle a diminué. Pour l'instant, on ne voit pas du tout de remonter la mortalité. Peut-être que ça arrivera, l'avenir est imprévisible. Quant au nombre de morts, on a fait l'analyse, nous, maintenant, de tous les patients hospitalisés. On a eu à peu près 1000 patients hospitalisés, un peu moins. Il y a eu 55 décès, je vous les ai dit auparavant. Et avec une moyenne d'âge des décès de 81 ans, donc c'est une maladie des sujets très âgés, et il n'y a eu qu'une personne qui soit morte à moins de 60 ans, 59 ans, tous les autres avaient plus, et il y avait 60% de gens qui avaient plus de 80 ans. Donc c'est une maladie des sujets âgés. Malheureusement, les sujets de cet âge sont très fragiles, si en plus ils sont obèses diabétiques, alors il y a une surmortalité qui est importante. Mais qui est celle de toutes les infections respiratoires de tous les ans. Je ne suis pas sûr que ça changera beaucoup à la fin de l'année. Voilà. Et donc, sur l'ensemble de ce que nous avons eu, voilà, au total, et jusqu'à maintenant, on a eu 7500 personnes positives qui sont passées par l'IHU, dont 171 sont morts ici ou à l'extérieur, dans l'assistance publique ou ailleurs. Et on a traité 4756 personnes, dont 19 sont morts par doxychloroquine et azithromycine. Donc se pose la question, compte tenu du fait qu'il y a peu ici de sujets jeunes, il y a des endroits dans lesquels il y a une mortalité plus importante des sujets jeunes, hein, mais ici il y a une très faible mortalité, de savoir s'il faut continuer à donner doxychloroquine et azithromycine. La réflexion qu'on a, c'est qu'il apparaît de plus en plus dans cette maladie qu'il y a des auto-anticorps, c'est-à-dire que les gens sécrètent des anticorps contre eux-mêmes. Et parmi ceux-là, il y a les anticorps qu'on trouve dans le lupus, qui s'appelle lupus anticoagulant, et qui donnent des coagulations anormales, qui risquent de donner des embolies pulmonaires. Et le traitement de ça, des anticorps type lupus, c'est l'hydroxychloroquine, hein, c'est le plaquenil, c'est pour ça qu'on le prescrivait avant le Covid. Donc, comme on trouve ça dans un nombre vraiment significatif de cas, dans la période actuelle, pour nous, il n'est pas question d'arrêter, d'autant qu'il est sorti très récemment un travail chez les multicentriques dans un des meilleurs journaux de cancérologie qui montre un gain de mortalité de 60% si on donne de l'hydroxychloroquine aux gens qui ont un cancer et un Covid par rapport aux gens qui n'ont pas d'hydroxychloroquine. Donc il n'est pas raisonnable de s'arrêter.